Je suis Frédéric Bonfils. Je suis avant tout un passionné de voyage, d'expérience. J'ai commencé dans le massage depuis plus de 30 ans. Le massage est devenu une immense passion et j'ai vraiment eu envie de réfléchir à comment faire pour transmettre le mieux possible différemment. J'ai fait des études de sophrologie notamment, de PNL. J'ai expérimenté l'hypnose. J'ai eu la chance de voyager dans plein de pays où les massages sont extrêmement développés et répandus. Je suis allé à Hawaï pour découvrir le massage Lumi Lumi. Je suis allé en Arizona pour découvrir le massage aux pierres chaudes des Indiens d'Amérique. Et lorsque j'ai eu la chance de créer mon spa, j'ai vraiment eu l'envie d'y mettre toutes ces curiosités, toutes ces sensations. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé Sensation Spa. J'ai voulu créer un cocon, en fait, qui me ressemblait. Pour moi, Sensation Spa, c'est un univers du monde, en fait. Je trouve que vraiment le massage permet une communication incroyable. À la fois, c'est une façon d'exprimer ses propres émotions, son intériorité. C'est une façon de discuter avec la personne, sans la parole, juste avec le toucher. Le partage entre le masseur et le massé est très important. J'aime m'inspirer de certaines musiques ou de certaines atmosphères, de certaines idées pour créer des massages très conceptuels. J'ai eu envie de devenir un créateur en fait de massages. C'est pour ça que mon massage principal s'appelle le massage créatif. C'est un massage qui est une synthèse un peu de tout ce que j'ai pu découvrir et aimer. C'est un massage doux, enveloppant, profond, tonique, musculaire. Mais j'ai aussi eu envie de créer des massages avec des concepts, notamment le massage dans le noir absolu. Et donc je me suis mis un challenge en fait, c'était vraiment ça, c'était commencer à voir comment je pouvais réapprivoiser en fait l'espace du noir en fait. À la fois c'est un lâcher prise total, un voyage, une expérience, une expérimentation pour moi au départ, mais je me suis aperçu que c'était aussi une expérimentation pour la personne. C'est vraiment une communion incroyable. J'ai créé également récemment le massage astral. C'est un voyage vers les étoiles, en fait. C'est vraiment l'idée que j'ai eue. Je me suis inspiré du film Gravity. Donc le massage est à la fois doux, léger, mais également il y a de la profondeur, il y a des intensités. J'aime aussi le massage SLM que j'ai créé, qui lui est par contre un retour vers les années 70. Le massage est très lent, le massage est sensuel, et le massage permet, en fait, il y a même de la fumée dans la cabine de massage. L'idée du massage pour moi, c'est vraiment prendre conscience de son propre corps, de l'état de son propre corps, et se comprendre. J'ai vraiment envie de faire partager ma passion du massage. J'ai envie que les gens, lorsqu'ils viennent chez moi, aient la sensation de venir vraiment ailleurs, dans une bulle, dans un cocon, et vivre un instant fort, intense, en émotion. Et j'espère qu'on va se voir bientôt chez Sensation Spa. À très bientôt.